On termine ce flash en musique et en beauté avec les Transformistes de la Bonbonnière que vous avez très certainement aperçu sur M6 dans l'émission La France a un incroyable talent. Sur scène, ils interprètent Madonna, Mylène Farmer ou encore Céline Dion. Ils se glissent dans la peau des personnages grâce au maquillage. Ils utilisent aussi l'émotion et l'expression du visage pour donner vie aux personnages qu'ils interprètent. Même s'ils n'ont pas été sélectionnés par le jury, les Transformistes gardent un bon souvenir de cette expérience. Nous, on ne fait pas que de la ressemblance, que du transformisme pur et dur. On va également performer en tant que danseur ou danseuse, en fonction des numéros, parce qu'on passe vraiment d'un personnage à un autre. On a également des transformistes qui vont faire des personnages masculins. Donc, ce n'est pas limité uniquement aux personnages féminins, puisque le transformisme, à la base, c'est vraiment l'art de se transformer en une personne. Ce n'est pas vraiment le changement de sexe qui opère, en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment 2 heures. Nos spectacles est basé vraiment 2 heures sur les ressemblances, principalement. Ensuite, il y a des numéros qui sont un peu plus burlesques, un peu plus comiques également, qui a un partage avec la salle. Même aussi des artistes qui sont en ressemblance, qui vont vers la salle, comme le feraient les personnalités. Et en fait, c'est ça qui nous caractérise.